Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale, sentimentale. On va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message. C'est une guidance où je vais utiliser uniquement les oracles de la chaîne L'Oracle. Donc je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Voilà, donc je t'embrasse Laura. Merci infiniment pour tes créations qui sont absolument sublimes. Tu sais que je suis une grande fan. Voilà, je les utilise toujours dans mes guidances personnalisées, individuelles et même générales sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Vous rentrez en contact avec elle. Elle a également un site internet où vous pourrez vous procurer ses oracles. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec l'oracle de la fée Laura. Allez. Donc, on va voir qu'est-ce qui vient à vous. Alors, on vous parle, waouh, de la fée de la victoire. Bon, bah, écoutez, ça commence fort. Tu peux tout réussir. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Bah écoutez, là j'ai envie de vous dire, voilà, on vous dit que vous avez l'âme d'un guerrier, d'une guerrière, que vous pouvez accéder à tous vos rêves. Après, ça tombe pas tout cuit. Hein. Il faut aussi s'en donner les moyens. Mais on vous parle là qu'il pourrait y avoir des dénouements inattendus. Bouleversant, on me dit waouh, magnifique hein. Le tout c'est d'avoir la foi et en plus regardez, il y a la lumière, il y a le soleil là. Il faut avoir la foi en vous, la foi en la vie, la foi en vos guides. Garde la foi, je m'occupe de tout. On vous dit que vous êtes extrêmement protégé. On vous dit également de faire confiance au timing divin. Vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé et protégé. Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre intuition. Et en dos de deck, juste derrière, j'ai la fée de la spontanéité. Donc, on vous parle vraiment du coup de beaucoup plus de joie, de légèreté, d'être connecté à votre enfant intérieur. N'hésite pas à prendre un nouveau départ. Sois léger et spontané. Alors, je vais prendre quelques cartes de son nouvel oracle, de son dernier bébé, l'oracle de la nouvelle humanité, qui est absolument magnifique. J'adore les vibrations qui s'en dégagent. Les cartes sont absolument magnifiques. En plus, c'est un nouveau format. Voilà. Allez. Donc, c'est au niveau des chakras. Donc, ça va vous permettre également de mieux vous connaître, peut-être de vous donner des clés sur votre chemin personnel. Allez. Alors. Waouh. Alors. Magnifique carte. On vous parle des élémentaux. On vous parle des fées, des esprits élémentaires, des dragons et des sirènes. Pour certains, vous êtes attirés par ça. Alors, suivez votre intuition. En vous connectant aux élémentaux, vous allez avoir des clés, des réponses. On me dit également pour certains, eh bien vous êtes des fées, vous avez l'âme d'une fée, donc il y a beaucoup de magie, beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité, de joie. Pour certains, on vous dit également de vous relier à Gaïa, d'aller dans la nature, que ce soit dans une forêt ou près de la mer, près d'une rivière, dans un lac. Peu importe, on vous dit que vous avez une connexion vraiment spéciale et qu'il y a une connexion à développer. Bon, en plus, on vous dit clairement
Suivez votre intuition, puisque vous avez conscience du destin, conscience du futur, et on vous parle de prophétie. Alors pour certains, vous allez vraiment vous plonger dans des lectures très spirituelles, besoin de réponses, besoin d'élargir votre connaissance, besoin de vous ouvrir à d'autres champs de conscience, à quelque chose de plus grand. Et pour certains, de toutes les façons, hein, vous avez clairement des capacités extrasensorielles qui peuvent énormément vous guider dans votre vie. Donc là, on vous parle clairement hein, du chakra coronal, chakra du troisième œil. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau général, qu'est-ce qui vient vers vous avec le tarot de l'oracle. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, on vous dit là que vous, avec le 5 d'eau, alors qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu un chagrin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. En tout cas, il y a quelque chose, vous avez vécu un bouleversement. Alors, avec le 2 d'air, on vous parle de doute, d'hésitation. Peut-être que pour certains, vous hésitez à vous séparer, peu importe le domaine. Pourtant, on vous dit, wow, magnifique, de ne pas avoir peur du changement. Puisqu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Parce qu'en plus, juste derrière la roue de la fortune, j'ai la carte du monde. Donc j'en reviens à ça. Moi, j'ai quand même la notion de bouleversement inattendu. Donc il va falloir vous séparer d'une situation, de personne, d'accéder à cette transformation intérieure qui s'opère en vous, d'oser saisir à bras le corps cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Parce que là, avec la carte du monde, bon, c'est quand même le monde, la victoire, la foi. Bon, et on vous parle en plus du grand amour. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire que ouais, pour certains, vous allez faire la rencontre de votre moitié. Hein. C'est clair et net. Clair et net. Hein. On vous parle d'épanouissement, de bien-être. Et on vous dit, vous êtes le magicien de votre vie. Je vous le répète souvent en guidance. Hein. Mais c'est vrai, on est les créateurs de notre vie. Alors oui, ça demande du travail. Oui. Sur soi, hein. Oui, ça demande de la persévérance, de la détermination, de la foi, mais on peut y accéder. Bon, en plus, non mais, on vous parle de feu, de passion, de chaleur, d'atmosphère, bon, mon chien confirme, hein. D'atmosphère très, très pimentée, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Ça peut être également, vous allez vous découvrir une nouvelle passion. C'est pas forcément dans le domaine sentimental. Bon, on vous parle de communication. Hein. Bon, on vous parle de communication enflammée, mais on vous dit également qu'en vous reconnectant à votre âme, en allant vers votre mission de vie, vous allez avoir beaucoup de messages de vos guides, de l'univers. Vous allez avoir accès vraiment à des nouveaux champs de conscience. Bon, et on nous parle très clairement donc d'oser vous lancer dans des nouveaux projets, de partir à l'aventure, peu importe le domaine. Hein. Bon, et en plus de ça, on vous dit, non mais c'est un tirage de fou, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé avec la carte de l'étoile. Bon, on vous dit, hein, là, il faut y aller, il faut vous lancer, ne pas avoir peur.
Là, vous allez vraiment vers votre destin. Je ne peux pas vous dire mieux. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes des arcanes majeures de l'oracle. De l'aura. Bon. Alors, on vous parle de 3 à 6 mois. Donc, peut-être que c'est quelque chose. Vous attendez quelque chose depuis quand même assez longtemps. Et on vous parle d'un masculin, d'un empereur, de l'élu de votre cœur, de la personne qui vous est destinée. Mais aussi, le revers de l'empereur, ça peut être qu'il y a ce masculin, cette personne qui vous est destinée, on parle là au niveau des polarités. Peut-être que cette personne était également enfermée dans des blocages égotiques. Besoin d'un temps de guérison. Ok, allez. Donc, pour certains, il pourrait y avoir un retour, oh oui, inattendu, de l'amoureux, de l'empereur. Donc, on vous dit bien quand même que c'est l'élu de votre cœur. Là, c'est clair et net. Clair et net. On vous dit que vous êtes un couple destiné. J'en ai même des frissons. Allez. Waouh. On vous parle du chakra du cœur. On vous dit d'être dans l'ouverture du cœur. Cette personne prend conscience de ses sentiments, a envie d'ouvrir son cœur. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup souffert. Waouh. Énorme. On vous parle de la tempérance. Pour moi, là, on nous parle d'une histoire qui a pris du temps, qui a pris beaucoup de temps, qui a demandé beaucoup de travail chez l'un et chez l'autre. De prendre soin de soi, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'amour de soi. De prendre un certain recul, d'apprendre à se découvrir, à se connaître soi-même. Du coup, peut-être que pour certains, vous vous êtes mis à la méditation. En tout cas, cette personne a eu besoin de ce recul, de cette prise de conscience nécessaire. Bon, et pour les flammes jumelles, on vous parle quand même de réunion. Bim, bam, boum, de fin de parcours, d'engagement, d'équilibre, des polarités. Bon, c'est quand même un tirage de dingue. Laura, je pense que tu vas être contente de cette vidéo. Et on vous parle en dos de deck, des signes du bélier. De passer à l'action. Vous êtes les créateurs de votre vie. C'est pas en restant assis dans un transat que tout va vous tomber tout cuit. Non. Il faut se donner les moyens d'accéder à ses rêves, se donner les moyens de guérir, de se comprendre pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Donc, on vous parle que cette personne a envie de passer à l'action, a envie de concrétisation. C'est quelqu'un qui a retrouvé de la force. Bon, on vous parle avec la carte du pape d'engagement, de mariage divin. Bon, le message est très clair, on vous parle de contrat d'âme, donc forcément là, bien, ça peut tout à fait parler des relations d'âme, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, et on vous parle bien de réconciliation, de retrouvailles à venir. Ok, allez, on va aller voir, avec toujours l'oracle de Laura, mais avec les arcanes mineures. Alors, bon, on vous dit que cette personne, avec le 6 d'épée, s'est longtemps battue contre elle-même, contre ses peurs, contre ses doutes. Et du coup, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de changements dans sa vie, qui a beaucoup évolué au niveau de ses idées, quelqu'un qui s'est ouvert au grand tout. Quelqu'un qui est dans un chemin d'éveil spirituel, qui a besoin de comprendre, besoin de se comprendre,
afin de ne plus répéter les mêmes erreurs, de s'ouvrir à l'amour de lui-même, à l'amour des autres, à l'amour de sa moitié. Bon, on vous parle quand même de célébration à venir, hein. Donc, bah, écoutez, hein. Achetez les bouteilles de champagne, les coupettes, mettez les bouteilles au frais. Bientôt, ça va être champagne. Bon, et en plus de ça, non mais c'est énorme, hein. En plus de ça, on vous parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent et de bonne santé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un tirage plus que parfait. Ben voilà, vous avez tout là. Il y a tout qui arrive vers vous. Mais voilà, il y a eu un temps de pause, un temps de guérison, parce qu'il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de mécontentement, peut-être même une certaine impatience. Pourtant, on vous parle là de célébration à venir, hein. Il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de transformations intérieures et profondes chez cette personne, mais chez vous aussi, hein. Bon, ben écoutez, hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du masculin. Bon, c'est quand même un tirage de dingue. Hein. Un très très beau tirage. Waouh! Pou, 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 pou. Bon, écoutez. Hein. Alors, oui, c'était quelqu'un qui avait ce côté très matérialiste, qui faisait passer son travail avant, qui pour venir vers vous avait besoin d'une réussite professionnelle, de stabilité financière. Et c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a fait passer son travail, a priorisé son travail avant l'amour. Hein. Je ne pense qu'à moi et à mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Alors peut-être qu'il a encore là des choses à régler. Pourtant, on vous parle d'un masculin optimiste. J'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Et on vous parle d'un masculin communicant. Je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de parler. Et quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a la foi, qui s'est ouvert vraiment qui a élargi son champ de conscience, hein, qui a beaucoup évolué au niveau de ses idées personnelles, qui fait confiance à ses guides, confiance aux signes du destin, puisqu'on a un masculin intuitif. J'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Bon, bah écoutez, magnifique. Allez, on va voir avec l'oracle du féminin sacré. Donc, vous savez qu'on porte en chacun de nous ces deux polarités. Et le but du jeu, le but de la vie, on va dire, et entre autres notamment des liens d'âme, c'est d'arriver à cet équilibre des polarités pour accéder à un certain bien-être. Voilà, accéder à l'amour et au pardon. Allez, donc on va terminer avec l'oracle du féminin. Waouh! Bon, on vous parle de fidélité. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour, une envie de communication, d'exprimer sa vérité, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, de se montrer authentique. Allez. Bon, quand je vous dis que ça va être le feu, il y a beaucoup de passion dans l'air. Hein. On a une féminine passionnée et en plus le vent se met à souffler. Donc j'ai envie de dire, là, pour vous qui regardez cette vidéo, il y a un vent de liberté qui souffle vers vous. Là, vous arrivez vraiment à, ben, j'ai envie de dire, à un carrefour de votre vie. Je suis à fond dans mes projets. J'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Donc, c'est quelqu'un qui se lance dans des, ou qui s'est lancé dans des nouveaux projets. Quelqu'un vraiment
qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de créer sa vie, il a compris comment marchait la loi de l'attraction, comment lui fonctionnait. Et du coup, il y a beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup de passion dans tout ce qu'il fait, peu importe le domaine. Allez, une dernière carte. Bon, il y a quand même encore un petit côté féminine procrastinatrice. Voilà, je remets les choses à faire à demain. J'ai du mal à me motiver. Je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, va faire ce pas vers vous. Hein. Mais il y a encore des petits blocages, là, des petits verrous à faire sauter, mais il va y arriver. Il va y arriver. Parce qu'il ne veut plus de son ancienne vie. Il ne veut plus s'empêcher d'être heureux. Il ne veut plus s'empêcher de vivre cet amour. Parce qu'on a quand même un engagement. Réunion au bout du chemin. Célébration. Et on vous dit que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui va arriver à lâcher prise. Puisqu'on nous parle d'une féminine légère. Je me sens légère comme une plume. Je n'ai plus de peur ni de soucis. Bon, eh bien écoutez. Tirage absolument magnifique. Je ne m'attendais pas du tout à un tel tirage. De très très belles énergies. Donc vraiment, gardez la foi. Gardez la foi, c'est essentiel. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies. Ne baissez pas les bras. Croyez là que le meilleur vous arrive parce que c'est ce qui va se passer. Après le temps, on ne le maîtrise pas. Donc vraiment lâchez le temps. Mais là, on va clairement vers un très bel amour. Très très bel amour. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Et là, je peux vous dire que vous allez avoir la totale. Voilà, dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est une guidance intemporelle. Peut-être que vous tomberez sur cette guidance dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tout est juste. Tout est juste. Lâchez le temps. Et faites confiance au timing divin. Bye bye !